Savez-vous pourquoi la cathédrale Saint-Jean-Baptiste est une primatiale? Non? Eh bien, remontons à l'époque de Luc Dunhomme, aux origines de la chrétienté en France. La ville est créée en 43 avant Jésus-Christ par Munatius Plancus. Deux siècles plus tard, c'est la troisième ville de l'Empire romain et une communauté chrétienne y voit le jour. L'entrée de la cathédrale. Nous sommes dans l'allée centrale, au niveau de l'entrée, et vous avez sans doute le même réflexe que tous ceux qui entrent ici. Vous levez la tête. C'est d'ailleurs dans ce but précis qu'a été construite la cathédrale. Attention aux torticolis. Les piliers culminent à 32,50 m. L'architecture des cathédrales est justement comme une pédagogie qui permet de prendre l'homme là où il est, c'est-à-dire de la terre, et de l'élever peu à peu jusqu'à ce que son regard se porte vers le ciel, là où Dieu réside. C'est toute une pédagogie pour que l'homme se souvienne de la présence et de l'existence de Dieu. Nous sommes devant l'horloge astronomique. C'est l'une des plus anciennes d'Europe. Elle date du XIVe siècle. Elle s'anime chaque jour à midi, 14h, 15h et 16h. Regardez attentivement à présent les deux cadrans. Vous pouvez lire l'heure et savoir quel jour nous sommes sur le cadran inférieur grâce au calendrier perpétuel. Le vieux lion et ses traboules. Le vieux lion. Un dédale de rues pavées et de passages cachés. On les appelle ici les traboules. N'hésitez pas à pousser la porte, comme au numéro 27 de la rue Saint-Jean. Une cour intérieure, des loggias à l'italienne, une véritable ruelle au cœur des habitations. C'est ça une traboule. Du latin trans ambulare, passer à travers. Avancer, nez en l'air, des arches, des fenêtres à meneaux, des escaliers à vis. Ces passages ont été conçus à la Renaissance pour relier deux rues parallèles sans avoir à percer un nouvel axe. Un gain d'espace permettant de construire davantage de logements. Ici, vous ressortez au numéro 6 de la rue des Trois-Maries. Une quinzaine de traboules sont en accès permanent dans le quartier. Mais si vous voulez les voir toutes, courage, il en existe 230 à Lyon. Thank you.
Delorme est né à Lyon vers 1510, mort à Paris en 1570, est un architecte français de la Renaissance. Au XVIe siècle, un propriétaire, Antoine Bulliou, ayant acheté deux maisons voisines donnant sur la cour du numéro 8, dans la rue de la Juifferie, voulut faire construire entre les deux des cabinets et des galeries de communication en les appuyant sur des trompes sans empiéter sur le sol de la cour. Philippe Delorme fit cette construction compliquée en 1536 à son retour d'Italie. Après les traboules, une autre spécialité lyonnaise. Les murs peints de Lyon sont connus pour leur diversité et leur beauté. Ils font désormais partie du patrimoine de la ville. Trois des plus beaux sont en bord de Saône. Allons les voir. Le mur des Lyonnais. Là, sur 800 mètres carrés, sont peintes 31 célébrités lyonnaises. Si l'on se retourne à l'opposé, à l'angle des rues Pareilles et de la Martinière, on a un mur peint beaucoup plus discret. Le mur des écrivains, à l'angle de la rue de la Platière et du quai de la Pêcherie, y figure environ 300 écrivains lyonnais et quelques extraits de leurs textes. Le Petit Prince, bien évidemment, on le retrouve sur le mur des Lyonnais. On remarque au rez-de-chaussée trois boutiques et le facteur dans le porche en trompe-l'œil. Juste à côté, une boîte à lettres PTT, une vraie, et devant le mur, une chouette station vélo. Le mur de la cour des loges est très habilement fait et si l'on n'est pas prévenu qu'il s'agit d'un trompe-l'œil, on a toutes les chances de se tromper et de croire qu'il s'agit d'un véritable échafaudage. Où que l'on se trouve à Lyon, la basilique de Fourvière vous surveille. Le mieux est de prendre la ficelle, qui est le surnom donné au funiculaire lyonnais, et de lui rendre visite. Le funiculaire de Fourvière a été mis en service le 6 octobre 1900. La déclivité maximale est de 310 mm au mètre et d'une longueur de 431 mètres. La façade de la basilique. Une façade très riche qui parle de foi, d'espérance et de charité. Observez bien, les éléments se répondent entre eux. On commence par le sommet, la croix. C'est la dernière pierre qui a été posée. Elle symbolise, comme dans toutes les églises, la résurrection du Christ. Ici, elle fait écho au lion de Judas devant nous. Judas, celui qui a trahi Jésus ? Non, Judas, l'un des 12 fils de Jacob, qui va donner naissance à la lignée de David et donc au Christ.
Le cœur de la basilique de Fourvière a une particularité. Savez-vous laquelle ? D'ordinaire, il n'y a pas de statue au-dessus de l'autel. Cela marque encore une fois l'importance qu'a la Vierge ici. D'ailleurs, elle est partout dans l'église. Votre premier réflexe sera sans doute de lever les yeux. Chaque église a pour but d'élever les hommes vers Dieu. Vous voyez les piliers ? Il y a de l'herbe sculptée à leurs pieds, puis graduellement des plantes, des grandes fleurs, des oiseaux. Votre regard est naturellement attiré vers les trois coupoles qui représentent la Trinité. Laissez-vous à présent envahir par le jeu des lumières. Eh bien, ici on est dans une zone plus sombre, alors qu'au-dessus de nos têtes, les vitraux apportent de la lumière. C'est le fondement même des édifices religieux, porter les hommes de l'ombre à la lumière. L'esplanade de la basilique de Fourvière. D'ici, on domine la ville. La vue est époustouflante et l'emplacement a toujours été stratégique. Les Romains s'y installent dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. D'abord camp de légionnaires, le site devient ensuite le forum, la grande place publique, le centre commercial, intellectuel et politique de Lugdunum. Le forum ancien, Forum Vetus, Fourvière. Et il y a déjà une église à l'époque ? Il y a un temple, mais le catholicisme n'a pas sa place ici. Le quartier de la Croix-Rousse. C'est nous les petits canuts qui se la coulent douce. Bienvenue à la Croix-Rousse. Est-ce la dernière secousse ? Bonjour la Croix-Rousse ! Vous êtes là, vous ? Ça va, vous ? C'est bon ? Ok, tout va bien ? Messieurs, dames, la criée des messages commence par un petit cérémonial complètement laïque en ce dimanche à 11h. Une clameur pour signifier à toute la Croix-Rousse qu'il se passe quelque chose ici. Et une clameur pour célébrer le fait d'être ensemble, réunis, épaule contre épaule, sur une place publique, un dimanche matin, pour échanger des mots libres, sans censure. Oui ! Monsieur le crieur, merci de diffuser le petit message suivant. Déclarons le grand retour des siestes amoureuses. Cela coule douce, Saint-Jules à la Croix-Rousse, partout ils sont connus. Et Bistin claquait pas, la navette et le batin, voyez comme ils sont. J'aimerais pousser un coup de gueule contre les coups de gueule. Parce que si personne n'avait poussé de coup de gueule, on n'en serait pas là. Un kilo de champignons, s'il vous plaît. Des petits ou des gros ? C'est pour faire une soupe. Claquait pas, la navette et le batin, voyez comme ils sont genus, c'est nous les petits canuts.
Au centre de la place des Terreaux, face à l'hôtel de ville, une fontaine allégorique de la Saude, réalisée par Batelli, a été inaugurée le 22 septembre 1891. Le parc de la Tête d'Or. Il y a des attractions, on peut manger des glaces, on peut manger des gaufres, des crêpes, faire de la balançoire, faire du vélo. C'est un parc pour se promener, c'est un parc pour flâner, voir les animaux, pour ceux qui aiment la botanique, voir les cerfs, parce que vous avez aussi les cerfs. Il y en a qui flânent sur les pelouses. Et bon, moi, tous les matins, il y en a qui font du footing aussi. Ça court au parc aussi. À la revoyure et au plaisir de vous voir au parc de la Tête d'Or. Hein, salut les gueules. La place Bellecour. Rendez-vous sous la queue du cheval, c'est le lieu de rencontre des Lyonnais. La queue du cheval, de la statue en bronze, place Bellecour. Louis XIV domine fièrement cette place de terre battue depuis 1825. Trop peu connue, la statue du Petit Prince et d'Antoine de Saint-Exupéry est située à l'extrémité ouest de la place Bellecour. Et c'est ainsi que se termine ma balade à Lyon au mois d'août.